Bonjour, je suis Myriam Bido, coach et thérapeute de couple, fondatrice d'Atout Couple et experte auprès des femmes déterminées à être bien dans leur relation de couple. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler d'une attitude, intérieure qui va tout changer ou qui peut tout changer dans votre relation de couple. Et c'est une notion assez simple à retenir et qui pourtant peut faire toute la différence. C'est en fait l'idée qu'il y a une différence entre deux mots qui sont pourtant assez proches et qui sont l'attention et l'intention. Alors, l'attention, c'est quand on est happé dans notre quotidien. On est tout le temps pris entre le travail, les enfants, les obligations, les contraintes, les contrariétés aussi. Enfin, on est vraiment happé dans notre quotidien par énormément de choses qui nous accaparent, qui prennent toute notre attention et qui nous coupent à la fois des autres, de notre conjoint et parfois de nous-mêmes. Et en fait, on est bousculé par cet environnement qui en fait nous sollicite constamment et fait qu'on a très très peu de temps à se consacrer et à consacrer à l'autre. Et ça, c'est la réalité. On va pas changer ça. C'est le quotidien dans dans nos vies actuelles qui fait qu'on est quand même très très souvent sollicité. Et puis il y a l'intention. L'intention, c'est quelque chose qu'on peut poser à l'intérieur de soi et qui est une décision qu'on va prendre, qui est en réalité de mettre son conjoint et sa relation en priorité numéro un. C'est-à-dire d'avoir une détermination, quelque chose d'extrêmement clair à l'intérieur de soi, où sa relation, son conjoint, son numéro un. À partir du moment où on prend cette décision, c'est-à-dire qu'on met son conjoint comme priorité numéro un, on peut être par ailleurs extrêmement sollicité, extrêmement occupé. Mais quand on sait que la priorité est le conjoint, on n'a pas nécessairement besoin d'investir énormément de temps avec ce conjoint, parce que lui va sentir qu'il est notre priorité numéro un. Et ça va tout changer dans notre rapport à l'autre. Ça va tout changer aussi dans notre façon de vivre cet environnement extrêmement contraignant à certains moments. Et donc, c'est important de prendre cette décision et de savoir qu'en fait, la relation, le conjoint sont notre priorité numéro un. Et par ailleurs, de mener notre vie, qui est une vie pleine, qui est une vie extrêmement stimulante et parfois difficile, enfin en tout cas très prenante, mais de le vivre avec cette intention qui est le conjoint. C'est la priorité numéro un. À partir de là, il y a énormément de petits changements qui vont se mettre en place, qui vont faire qu'en fait la relation va être beaucoup plus sécurisante et sécurisée, et ça va assouplir toutes sortes de choses au quotidien qui vont faire que on va pouvoir prendre beaucoup plus de plaisir à être ensemble et savoir qu'en fait on compte énormément, on est la priorité numéro un de l'autre et réciproquement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous invite évidemment à poser vos questions, à mettre vos commentaires en dessous de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.